Dans une série de décrets publiés dans la soirée d'hier, mardi 9 novembre 2021, le contrôleur général de police, Aboubacar Fabou Camara, a été limogé de son poste de directeur central de la police judiciaire, DPJ. Le décret qu'il a éjecté de la tête de la DPJ précise qu'il est appelé à d'autres fonctions. A rappeler qu'Aboubacar Fabou Camara dirige la direction centrale de la police judiciaire depuis le 3 décembre 2019, date de sa nomination à ce poste par l'ancien président de la République, Alpha Condé. À l'époque, Fabou Camara était encore commissaire central de police. Et, à ce poste, il a été un acteur majeur dans la répression et l'emprisonnement des opposants au troisième mandat de l'ancien chef de l'État guinéen. D'ailleurs, son nom figure dans plusieurs rapports du FNDC sur des violations graves de droits humains. Son avancement au grade de contrôleur général de police le 12 février 2021, quelques mois après la présidentielle d'octobre 2020, avait notamment été interprété par beaucoup d'observateurs comme une récompense pour ses efforts dans le forcing d'Alpha Condé pour rester au pouvoir. En dépit de l'opposition de la majorité des Guinéens à ce projet anticonstitutionnel de troisième mandat.